Donc avant de commencer la terminale, si vous voulez reprendre le programme de première, donc là on est dans le manuel de première. Et donc quels sont les points hyper importants pour la terminale? Il y a des choses en fait que vous avez vues en début d'année par exemple. Ça c'est la molle. Normalement, si vous êtes en terminale, ça va. Les interactions fondamentales, ça va. Ça vaut le coup de revoir les ondes mécaniques. Parce qu'en terminale, on va faire des ondes pas mal. Si déjà vous êtes au point sur les ondes mécaniques, il n'y a pas grand-chose. Il y a à revoir ce que c'est qu'une onde mécanique, une onde progressive surtout, une onde périodique. Etc. Ça, la lumière et son interaction avec la matière, c'est un chapitre de terminale. Il est quasiment tel quel en première, en terminale, c'est le même. Donc si vous révisez celui-là de première, c'est celui de terminale. Alors ça arrive après le bac, c'est pas au bac, mais bon, il est en terminale. Celui-là, pareil, et celui-là, il est au bac. Solution aqueuse colorée. Donc vous pouvez le retravailler, il est important, enfin voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Celui-là, ça c'est un chapitre hyper important, structure et polarité des molécules. On va vraiment se servir de ça en terminale tout le temps, enfin pour pouvoir voilà. Et c'est pourquoi les molécules, enfin déterminer si une molécule est polaire ou pas et en faire comment dire, des conséquences sur sur température d'ébullition, est-ce que c'est liquide, solide, gazeux, etc., etc. Ça, on va le faire tout le temps en terminale, sans le dire. Mais on va l'utiliser tout le temps en terminale. Donc si vous avez un seul chapitre à réviser de première en aller à terminale, c'est celui-là. Il faut être au taquet, il faut être capable de trouver les charges partielles, les polarités, etc. Ça, c'est le tableau d'avancement. D'expérience, ça va, puisque vous en avez fait pas mal. Bon, si vous ne savez toujours pas faire un tableau d'avancement, ça vaut le coup de le réviser. Ça, je sais plus ce que c'est pour côté d'une spécifique. Bah si, c'est la suite de. C'est ce truc de sculpture et polarité, ouais. Tout ça. Donc celui-là, c'est la suite. C'est la suite de celui qu'on vient de voir avant, polarité, etc. Donc ces deux-là, là. Structure et polarité des molécules. Et propriété d'une espèce chimique, c'est vraiment le chapitre première qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Ça, c'est moins grave. C'est moins grave. Ça, c'est moins grave. Ça, c'est important. Études énergétiques en mécanique, c'est l'autre chapitre qu'il faut absolument, absolument, absolument connaître. Pourquoi? Parce qu'il est au programme de terminale et on n'a pas le temps de le revoir. Donc ça tombe au bac et c'est pas revu en terminale. Ça, études énergétiques en mécanique. Donc vraiment, vraiment, vraiment à revoir. Détermination d'une quantité de matière, pas de titrage, ça vaut le coup de le revoir, mais on va le refaire en terminale. Et puis voilà. Vous voyez, il y a quelques chapitres vraiment à aller cibler. Donc si vous voulez réviser avant de passer à avancer dans le programme de terminale, il faut vraiment être au point sur structure et polarité des molécules. Propriété d'une espèce chimique, études énergétiques des systèmes, études énergétiques en mécanique. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important pour la terminale.